Bonjour, aujourd'hui je vous propose de partir à la découverte de votre monde intérieur, un monde de rêves, d'imaginaire, où l'esprit donne des formes, des images et des couleurs à vos émotions, vos souvenirs et vos pensées. Lorsque l'on souhaite aller mieux, améliorer sa vie ou même partir à la recherche de soi-même, la première des portes à emprunter est celle qui vous mène à votre monde intérieur. Sans un miroir, même les yeux grands ouverts, comment pourriez-vous savoir qui vous êtes vraiment? Nous avons une idée approximative de notre visage, de notre corps, de nos vêtements préférés, de notre caractère et de nos manières d'être. Et pour autant, cela reflète-t-il vraiment qui vous êtes, tout au fond de vous? Bien des personnes pensent que la vérité se mesure à ce que l'on voit. Et vous, en êtes-vous si sûr? Comment se fait-il que parfois, le monde nous paraît si sombre, et d'autres fois si beau? Le monde est toujours le même, mais notre regard, lui, se teinte de nos émotions et de nos expériences de vie, et il forme ou déforme notre réalité. Le monde ne change pas, ce qui change, c'est vous. Ainsi, vous comprenez que l'on voit ce que l'on croit, ce que l'on est, et non l'inverse. Alors, êtes-vous prêt, aujourd'hui, à plonger en vous pour y découvrir ce qui se cache derrière le miroir? Dans votre monde intérieur, un souci pourra prendre la forme d'un arbre tombé ou d'un désert aride à traverser. La colère pourrait être un taureau furieux ou une forêt en feu. Et une dispute vous apparaîtra peut-être comme une tornade ou une falaise qui se jette sur la mer. Langage de l'inconscient est intuitif et poétique. Et c'est en rentrant dans ces paysages oniriques que vous pouvez activer votre magie intérieure. Transformer le désert en un bel oasis, faire tomber une pluie pour éteindre la forêt en feu et lui permettre de se régénérer, transformer la falaise en un chemin accueillant qui s'élance vers de nouvelles contrées. Lorsque vous jouez avec votre monde intérieur, votre inconscient travaille à de multiples niveaux pour soigner et rééquilibrer votre vie. Car vous l'aurez compris, en modifiant une idée intérieure, vous modifiez de vrais mécanismes profonds qui influent sur l'ensemble de vos ressentis et de votre perception extérieure. Et c'est ce que vous allez faire aujourd'hui, atteindre le juste état d'esprit et stimuler votre imaginaire pour activer votre inconscient. Alors, voilà ce que je vous propose. Si ce n'est pas déjà fait, installez-vous agréablement, peut-être assis ou allongé. Et si vous aviez fermé vos yeux, alors entr'ouvrez-les et choisissez devant vous un point à observer. Ce sera votre rituel pour commencer cette expérience. Une position agréable, un point à focaliser et la volonté de vivre un état d'hypnose pour mieux changer votre vie. Vous pourriez fixer votre attention sur une lumière ou un reflet, un feu de cheminée, peut-être un aquarium ou une fenêtre, ou tout simplement fixer l'écran devant vous, sinon un point sur le mur, un objet particulier ou une simple tache de couleur feront très bien l'affaire. Choisissez un point stable, qui ne bouge pas, et une fois que vous l'avez trouvé, alors focalisez toute votre attention sur ce point. Faites comme si tout votre esprit se fixait sur ce point.
comme s'il n'existait rien d'autre que ce point devant vous. Et plus vous le regardez, et plus vous pouvez observer la respiration qui se calme et qui s'approfondit tranquillement et à son rythme, comme si ce point pouvait même stopper les pensées. Et le corps se relâche et se détend totalement, comme s'il pouvait s'alourdir de plus en plus détendu, comme une lourdeur agréable qui peut maintenant se diffuser au niveau des épaules, des bras, des jambes, et laisser les muscles du visage se lisser, tranquille, et les pieds s'ancrer et s'enfoncer agréablement dans le sol, et continuer à bien fixer votre point intensément. Les autres sons vont commencer à s'éloigner et ma voix reste là pour vous accompagner. Voilà. Et la vision commence à se brouiller de plus en plus et c'est très bien, c'est normal. Laissez-la se modifier comme si vous pouviez voir bien au-delà de ce point. Commencez à voir ce qui se cache au-delà, plus loin, derrière, tout en laissant les petits muscles autour des yeux se détendre et s'alourdir, comme si les yeux voulaient s'endormir. Et si les yeux clignent, c'est très bien, laissez-les cligner de plus en plus et ne fermez pas maintenant les yeux, laissez encore un peu se fatiguer de plus en plus et peut-être se mouiller, voilà, laissez les yeux cligner de plus en plus. Agréablement, comme si vous savez déjà qu'ils ont profondément envie de se fermer, de vous endormir pour passer de l'autre côté du miroir. C'est ce que vous voulez, alors laissez la vision se brouiller davantage pour mieux s'éclaircir à l'intérieur. Entrez dans un rêve pendant qu'un voile, une brume, se pose sur les yeux tout doux, comme un linge chaud, juste ce qu'il faut, humide et chaud, relaxant, un voile sur les paupières, un nuage de sommeil qui glisse sur vous et dépose le sable qui endort le corps et fait ouvrir les yeux de l'esprit. Voilà. Si les paupières ne sont pas plus déjà fermées, laissez-les faire de plus en plus lourdes et agréables. Plus en plus lourde et agréable. Voilà, juste laissez les petits muscles autour des yeux se reposer, les yeux fermés, peut-être prendre une respiration spontanément plus profonde. Respirez maintenant, voilà, soufflez. Et au
au fur et à mesure où cette détente s'amplifie et emplit le corps de bien-être, les yeux bien fermés, maintenant, visage tranquille, et vous sentir entrer plus profondément en vous, avec comme une curiosité intérieure, la curiosité de découvrir ce que vous portez en vous aujourd'hui. Et vous savez que lorsque les yeux du corps sont fermés, alors les yeux de l'imaginaire s'ouvrent, les yeux de votre esprit. Donc, laissez juste le corps se reposer, tranquillement, agréablement lourd, peut-être s'engourdir un peu et bien se reposer. Voilà, de plus en plus, pendant que votre esprit, plus léger et vivant, commence déjà à voyager et laisse le souffle approfondir davantage l'hypnose qui s'installe dans le corps et guide votre esprit dans les pensées. C'est très très bien. Peut-être que la tête va devenir elle aussi de plus en plus lourde et trouver son équilibre. Peut-être se pencher sur le menton ou se stabiliser sans que vous ayez besoin d'y penser au fur et à mesure que votre esprit plonge et se laisse glisser en imagination dans cet agréable état d'hypnose et vous vous enfoncez plus loin, de plus en plus loin, au cœur même de toute chose, comme descendre et descendre, plonger en vous à chaque souffle. Encore plus profondément. Et cela amène toute la lumière qui entoure votre esprit d'une magnifique bulle de couleur protectrice, à la fois légère et curieusement tellement lourde et légère et si lourde. Pour vous faire du bien et vous protéger et vous faire du bien et juste vous laisser dériver en confiance jusqu'à arriver, vous savez où, sur cette grande et belle plage intérieure inondé de soleil et de lumière. Voilà, approchez-vous encore jusqu'à toucher le sable, chaud et doux, toucher le sable, peut-être marcher un peu, sentir le contact avec le sable chaud, peut-être vous allonger si vous voulez, et vous laissez porter par le bruit des vagues, douce harmonie qui vous berce. Et votre esprit s'envole, s'échappe, comme lorsque vous vous endormez sous la chaleur du soleil, protégé par ce bel endroit, tranquille et apaisé. Juste le bruit des vagues et de quelques mouettes
qui s'éloigne de plus en plus, Entrez vraiment loin en vous, alors que tout devient silencieux. Voilà. Et maintenant, il ne reste que la chaleur du soleil qui réchauffe et vous protège. Vos paupières confortablement fermées, encore, et vous endormir. Profitez de ce moment privilégié pour commencer à rêver. Un rêve très particulier. Un grondement sourd se fait entendre et vous tire de votre somnolence. Vous regardez autour de vous et vous découvrez une chose incroyable. La mer s'est ouverte, comme dans les anciennes légendes. La mer s'est ouverte en un grand chemin qui s'enfonce tellement loin vers l'horizon. Curieux, vous vous levez et vous commencez à vous approcher de ce passage entre deux eaux. Vos yeux se lèvent sur les murs d'eau, souples et ondulants, comme vivants de part et d'autre. Ils paraissent vous inviter, vous dire « Aie confiance, je t'accompagne ». Vous respirez un bon coup. Vous regardez loin en face de vous ce grand boulevard de sable et de roches qui vous invite au voyage, qui vous attire. Votre intuition vous rassure, tout semble amical. C'est comme une aspiration vibrante et positive qui prend le dessus sur le corps et qui entraîne votre imaginaire de plus en plus loin. Et de plus en plus loin, comme si le cœur de l'océan avait un message pour vous. Et vous ressentez ce mystérieux appel, alors vous avancez confiant sur le chemin de sable, observant l'eau qui ondule et semble vous souhaiter la bienvenue. Alors, pendant que votre imaginaire arpente ce chemin, une autre part de vous, curieuse, observe chaque détail, curieuse de découvrir ce que la mer a laissé sur le chemin, ses roches, ses gros coquillages, des pierres et des algues de toutes les couleurs, et peut-être même un vieux coffre de bois. Tout à l'heure. Voilà. Continuez d'avancer, à la fois curieux et attiré par votre mystérieuse destination. Et c'est alors que vous arrivez face à un grand temple de marbre, un temple rayonnant d'une lumière particulière, reflétant une énergie douce et envoûtante. Vous vous approchez jusqu'à arriver devant une imposante porte blanche. Et sans savoir pourquoi, vous ressentez une attirance. Vous ressentez qu'après avoir franchi cette porte,
vous ne serez plus jamais, jamais la même personne. Quelque chose de bienfaisant, soignant et transformant. Oui, vous ressentez cette part de vous qui vous pousse et vous entraîne maintenant. Vous avancez et vous poussez la porte majestueuse. Voilà, entrez dans cette grande pièce. Aussitôt, vous percevez quelque chose, quelqu'un, un curieux personnage. Il vous attendait. Oui, je t'attendais. Bienvenue dans cet espace où les rêves naissent et où ils peuvent se réaliser. Si tu es ici, c'est pour apprendre à vivre, à utiliser tes ressources, afin que ta vie soit meilleure dans tous les sens du terme. Ce chemin va te transformer et t'aider à réaliser ce qui est important pour toi. Pour cela, tu vas devoir franchir trois passages, trois portes bien particulières qui vont te permettre de te libérer et de mieux te connaître. Si tu es prêt, alors inspire. Vas-y, laisse le ventre se gonfler. Inspire. Et souffle. Et laisse ton souffle ouvrir la première porte, celle qui va t'amener dans le monde qui symbolise tout ce que tu dois franchir et traverser. Maintenant, vas-y, inspire et souffle. Une singulière sensation se fait sentir dans votre corps et vous emporte au cœur même de vos émotions. La porte s'ouvre et votre esprit s'absorbe, attiré par ce nouvel univers de rêve. Vous découvrez une nouvelle strate de votre imaginaire. Quelque chose s'ouvre en vous et vous découvrez alors une grande montagne, une montagne qui cache la lumière, une montagne brutale et glacée, dure, entourée par l'obscurité. Et pourtant, regardez, la lumière semble briller tellement intensément là-haut, au-delà du sommet. Ce bloc sombre, tout paraît ralentir, tout s'arrête, se fige, comme s'il n'était pas possible de le franchir. Et pourtant, une curieuse sensation commence à tourbillonner à l'intérieur de vous et vous entraîne dans un véritable tourbillon intérieur. Votre corps s'élève, transporté par cette énergie intérieure, et vous commencez maintenant à gravir les parois rocheuses. Oui, laissez-vous grimper, vous élever le long des flancs de cette montagne, comme si la lumière au-delà du sommet vous apportait son aide, comme si elle avait tellement besoin d'être retrouvée. Parfois, vos pieds ou vos mains s'accrochent et poussent sur les pierres, poussent vers le haut. Et votre mouvement s'amplifie à chaque respiration. Vous vous hissez de plus en plus haut et de plus en plus vite. Vous vous sentez voler, marcher ou même courir et bondir sur les flancs de cette montagne. La lumière agit comme un véritable aimant qui vous attire de plus en plus vite. C'est une aspiration positive, inarrêtable, invincible, qui vous porte et qui vous transporte jusqu'au sommet, jusqu'à cette lumière. Et là, au sommet, c'est un véritable bain de lumière. Une lumière chaude vous accueille et vous enveloppe.
étincelante et bienfaisante. Elle réchauffe votre corps et votre âme. Vous inspirez et la lumière augmente, douce et puissante. Elle se diffuse, circule et trouve sa place en vous et autour de vous, sa juste place. Et tous les poids du passé s'effritent et tombent maintenant. Ils se décrochent et disparaissent. La lumière purifie votre visage, votre peau, votre cœur et vous inspirez. Soulagé et apaisé, voilà. Respirez et ressentez la douceur et votre transformation. Vous devenez un être lumineux. Véritable papillon de lumière, et vous ouvrez grand vos ailes. Voilà, allez-y, ouvrez vos ailes, formidable. Vous fusionnez et ne formez plus qu'une vaste présence, une véritable unité sacrée en vous et avec la vie autour de vous qui se révèle. Pur, indescriptible, ineffable. Soudain, votre esprit s'ouvre encore et une nouvelle strate vous apparaît. Vous êtes ailleurs. Face à un homme âgé, habillé de blanc, il vous observe avec bienveillance en souriant. Lorsque tu lui ouvres la porte, la magie est partout. Tu peux apprendre à la reconnaître et la laisser te transformer. Arrêtez de forcer, de lutter. Fais-toi confiance. Fais confiance à la vie et simplement laisse faire, ton intention donne la direction de ta vie. Il y a cette force qui vit en toi. Et alors le chaos se transforme progressivement en un ordre nouveau. Chaque étape de ta transformation est utile et t'apprend à devenir la personne qui sera bientôt toi. Le seul et véritable toi. Tel que tu es vraiment. Si tu es prêt, alors touche la pierre de lune et laisse-la te transporter. Vous voyez alors une curieuse petite pierre blanche. Vous tendez la main vers elle et vous l'effleurez du bout des doigts en une caresse. La voix du vieil homme vous guide. Derrière cette seconde porte, tu vas découvrir le monde qui symbolise les émotions que tu dois transformer, les peurs que tu vas laisser s'envoler afin de te révéler. Alors laisse la pierre t'apporter ce que tu recherches. Vous sentez en vous un puissant tourbillon qui vous entraîne à travers le second passage. Une magnifique porte vous apparaît. Et, en un élan, vous la franchissez. Au-delà de cette porte s'ouvre une nouvelle réalité. Il y a du vent. L'air. Un souffle puissant vous réveille. Vous êtes coincé dans une intense tempête. Le vent souffle vraiment fort et une pluie épaisse brouille votre vision. Vous n'entendez que le vacarme du vent. Tout autour de vous, son tourbillon puissant vous aveugle et vous entraîne.
C'est une véritable prison qui vous empêche d'avancer. Vous avez du mal à penser, à comprendre ce qui vous arrive. Les bourrasques se multiplient et au loin, de grandes tornades naissent encore. Pourtant, vous êtes calme. Vous sentez votre lumière en vous. Cela vous ancre, vous stabilise. Vous fermez mentalement vos yeux pour vous retrouver avec vous-même. Car plus cela bouge autour de vous, et plus vos pensées s'agitent, vos émotions se déchaînent. Cet ouragan est aussi à l'intérieur de vous, et il semble inarrêtable. Sans votre lumière intérieure, où seriez-vous? Juste au moment où une bourrasque plus forte manque de vous emporter dans les airs, d'un seul coup, une puissante force vous enracine profondément dans le sol. Votre lumière a jailli à travers vous et maintenant elle s'enroule et s'enlace autour de vous pour vous protéger. Véritable bouclier qui vous permet de retrouver toute votre stabilité. Vos pieds s'enfoncent dans le sol. Vous êtes toujours aussi calme. Et vous vous levez maintenant au milieu des bourrasques de vent. Vous sentez comme une douceur intérieure qui vous apaise, qui s'infiltre dans vos pensées et dans vos émotions et les rassure. Vous vous sentez de mieux en mieux. Votre corps prend spontanément une profonde respiration comme soulagé. Et vous vous entendez alors prononcer ces phrases à haute voix. Je dépasse mes peurs, je les laisse me traverser et je les traverse comme la proue d'un navire dans l'océan. Et là où elles seront passées, il n'y aura plus rien, rien que moi. Redites-le encore. Je dépasse mes peurs. Je les laisse me traverser et je les traverse comme la proue d'un navire dans l'océan. Et là où elles seront passées, il n'y aura plus rien, rien que moi. Voilà, c'est très très bien. Je dépasse mes peurs. Je les laisse passer sur moi. Et au travers de moi, et là où elles seront passées, il n'y aura plus rien, rien que moi. Comme un mantra que vous répétez et qui continue en vous, un mantra qui prend vie et qui calme toute chose, qui apaise les tornades et la frénésie. Je dépasse mes peurs, voilà encore. Je les traverse, et elles me traversent, et la tempête se dissipe. Les rafales se transforment progressivement en douces caresses de l'air, et derrière les nuages qui s'effilochent, de longs rayons de lumière apparaissent, chassant l'obscurité. Tout s'apaise. Se ralentit et là où elles seront passées, il n'y aura plus rien, rien que moi. Vous sentez une bulle de douceur émaner de vous et après tout ce tumulte, la paix revient. Vous sentez votre corps apaisé, s'endormir. Profondément, sensation de légèreté, quelque chose s'est transformé en vous. Votre corps s'endort, dormir, profondément, dormir.
votre réveil, vous êtes étendu sur le sable chaud d'une grande plage. Curieuse sensation de déjà-vu, la mer est calme, le soleil et les quelques vagues vous apportent tout le confort dont vous avez besoin. Vous profitez totalement de ce moment agréable et vous vous sentez bien, plus léger, comme s'il s'était passé quelque chose d'important. Votre attention est attirée par le va-et-vient de l'eau et l'air salé de la mer remplit vos narines. Et tout à coup, vous sentez un curieux objet dans votre main, une drôle de pierre blanche. Elle attire votre regard, comme s'il n'existait plus rien d'autre maintenant que cette pierre. Vous oubliez la plage, et la mémoire vous revient. Votre vision part à travers le temps, vos yeux veulent se fermer, et se ferment. Deux fois plus lourd. Votre corps se détend. Vos mains s'engourdissent. Et votre esprit s'ouvre. Cher inconscient, merci pour tous ces changements. Retrouve maintenant la route vers le présent. Ramène-moi bien ici et maintenant. Retrouve tranquillement ton chemin, afin que je sois bien, frais et disponible. Et, comme une bulle d'air attirée vers la surface, vous remontez maintenant à travers l'espace et le temps de plus en plus vite et de plus en plus vite. Et vous voilà de retour bien ici et maintenant. Vous êtes là, bien avec moi, retrouvez le contact avec votre environnement et sentez-vous transporté par une nouvelle force intérieure, une énergie qui vous dynamise et vous fait sourire. Bougez vos doigts, vraiment, allez-y, bougez vos pieds et étirez-vous. Prenez une grande et bonne respiration. Voilà. Et ouvrez vos yeux. Bravo. Vous venez de réaliser un grand voyage intérieur. Merci.